Bonjour à tous, ici le Ch'ti Player. On se retrouve pour la 7ème partie du Let's Play de Crash Bandicoot La Vengeance Cortex sur PlayStation 2. Allez, on y va, c'est parti. Alors on va commencer par aller refaire le niveau 6, hein, puisque j'ai repéré où était la caisse que j'avais loupée. Et vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez voir que les développeurs se foutent un peu de notre gueule. Hein. Ne touche pas à mes niveaux. Bah, pas d'accord. En plus c'est chiant parce que je vais devoir refaire la même chose avec les rhinocéros que dans la partie d'avant. Hein. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que je y a certaines caisses, si je les loupe, je serai obligé de mourir exprès pour revenir en arrière. Bon là vous voyez il y a le chrono si on veut faire le. Si on veut faire le contre-la-montre, hein, mais pour l'instant, je m'occupe pas de ça. Voilà, toi tu vas mourir. Il y a quelques petits problèmes normalement. Ah bah voilà. Moi j'aurais réussi à avoir une vie pour une fois. On va attendre que les TNT elles pètent. Voilà, ici bien faire attention à avoir l'interrupteur. Bon, normalement en faisant un saut baissé là je peux. Bah voilà. Comme quoi vous voyez que les collisions c'est pas au point. Hein. Je saute sur le côté de la caisse, ça marche. Oups. Oh putain. Mais sérieux. Non mais hé, hey, je dirigeais le joystick vers l'arrière, hein, je te signale. Ah mais je vous jure. J'allais dire que j'avais eu du bol de pas faire péter la nitro en faisant la tornade tout près et puis je meurs sans raison. C'est encore le coup des nitros qui vous tuent quand elles sont à 15 km. Oh là, qu'est-ce que je fous là. Allez hop, je déclenche les trois pour s'amuser. Bon, cette fois-ci on va le faire ça normalement, hop, comme ça. Bon, la nitro, je passe bien loin de la nitro, comme ça je suis sûr. Attention à lui là, à ce fourbe là, hop. Allez, on continue tranquille. Je vais quand même essayer de pas trop traîner dans ce niveau, hein, parce que vous l'avez déjà vu, donc hop. Ça me fait penser qu'il y a un peu le bonus qui dure 15 jours, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oh non. Ah bon, je l'ai eu. Ah voilà, donc c'est ici que ça se passe. Donc là, je vais vous montrer les caisses que j'avais pétées au premier passage. J'avais fait ça. J'avais fait ça comme ça. Attendez, voilà. J'étais monté ici, tu permets. Remarque, vous l'avez peut-être déjà remarqué, hein, la caisse que j'ai oubliée. Hein. Voilà. Et j'avais continué. Sauf que, regardez. Et voilà, il y en avait une ici. Une caisse d'acier. Non mais franchement, n'importe quoi. Non mais franchement, quand on connaît pas le... Oula, je m'embrouille. Quand on connaît pas le jeu, comment vous vouliez l'avoir? Quelle idée aussi de mettre les caisses d'acier de la même couleur que les caisses qu'on peut pas... les caisses en métal qu'on peut pas briser. Dans les crashs sur PlayStation, elles étaient les caisses. D'ailleurs, je crois que ça s'appelait pas les caisses d'acier, ça s'appelait les caisses en fer, je crois. Et c'était. Enfin, je veux dire, le métal qui entourait la caisse était bleu. Et bleu-violet, une espèce de couleur comme ça, donc on pouvait le remarquer. Et là, c'est la même couleur que les caisses en métal qu'on peut pas briser. Comment vous vouliez le voir? De toute façon, je vous le dis franchement, hein, j'ai même pas eu besoin de repasser dans le niveau en fait, en regardant bien. C'est vrai que c'est pratique de re-regarder les vidéos après qu'on les ait enregistrées parce que on peut regarder plus de choses que. Tandis que je veux dire, pendant que j'enregistre, je joue, donc je suis plus concentré sur Crash. Mais quand je regarde. Quand je regarde les enregistrements après coup, pendant le montage, je peux regarder plus autour du personnage. Je peux regarder un peu tout ce qui se passe à l'écran. Donc c'est là que j'avais remarqué cette caisse en acier, mais c'est vraiment une blague quoi, sérieux. Et rien que cette caisse, elle m'oblige à me retaper tout le niveau et ça m'énerve. Oh, ça c'est chiant. Allez, on y va. Donc ici, c'est pareil. Voilà. Oh merde, quel con. Heureusement que j'avais un masque.
suis vraiment con quand je m'y mets. Bon, alors ici, ne pas oublier d'appuyer sur L2 et d'avancer sans s'arrêter. C'est très important, hein, quand on est sur l'électro, de surtout pas s'arrêter, hein. Même si on s'arrête en continuant, si on s'arrête, même si on continue à maintenir la touche L2, c'est foutu. Là, ici, j'aime pas cet endroit en plus. J'aime pas cet endroit parce que l'eau, on a beaucoup de mal à voir à travers. C'est pas très très bien fait ça. C'est pas non plus invisible, hein. Oula, j'ai failli faire une connerie, heureusement que le... Oh, c'est joli ça ce que j'ai fait. Ah d'accord, le TNT s'est déclenché toute seule. Ok, pas de problème. Je vois que ça continue ça. Oh, merde, pardon. Oh non! Ça y est, non, mais c'est la fête là. Je vais pas y arriver. Oh, le dépêche, s'il vous plaît, quoi. Qu'est-ce que c'est lent. Eh, j'ai le temps d'aller bouffer un sandwich, hein. Allez. Bon, on recommence. On va essayer de plus faire le boulet. Et j'ai plus de masque en plus dans l'histoire. C'est ça qui est chiant, parce que quand on meurt dans les bonus, certes, on perd pas de vie, mais les masques, c'est foutu, quoi. Enfin, les masques, c'est surtout quand on tombe dans les trous, hein. En fait, faut vraiment appuyer sur la croix au moment où on touche la caisse et appuyer et enfoncer la touche, quoi. Limite pas. Merde, 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 merde. Oh putain, fait chier. J'allais dire, bon, que je finisse ma phrase, hein, j'allais dire que faut appuyer tellement fort sur la touche qu'on va limite passer à travers la manette, quoi. Ça y est, je devrais même pas faire cette vidéo. Oui, je sais que je dis ça à chaque fois que je me vautre. Allez. Bon. Voilà. Je demandais pas la lune. Oh. Allez hop. Oui, j'ai fait un peu le kamikaze en restant sur la TNT. Hein. Non, c'était bon, j'étais bien placé. Allez, on y va. On continue. Oula. Ah, c'est bon, j'ai eu la vie quand même. J'avais un peu merdouillé sur mes touches. Non, faut se baisser d'abord et sauter après. J'ai bien envie de la refaire, attendez. Oula. Ok, ça c'est nickel. Et si je glisse, la TNT devrait pas se déclencher toute seule normalement. Ah, c'est mal fait ça, mais à fond. Franchement, dans ce jeu-là, les TNT se déclenchent pour rien. Voilà. Mais tout à l'heure, je sais pas comment j'ai fait. J'avais mal compté. Et j'étais parti quand j'avais tapé 4 fois la caisse, alors. Et quand j'ai voulu revenir pour taper la casser, ben, je me suis vautré. Enfin bref. Donc maintenant, on va se retrouver avec nos amis les rhinos et le 4x4. Bon, cette fois-ci, je vais faire attention, je vais bien accélérer tout de suite. Voilà, là c'est bon. Voilà. Normalement, les caisses sur lesquelles les rhinos passent, elles comptent. Hein. Attends, je vais rafficher ma barre, comme ça je suis sûr. Je vais encore me faire mal au doigt, mais bon, on s'en fout. Oh, je suis vraiment con. Non, mais là, je suis bête. Hein. Bon, allez, on est parti. Oh, c'est chaud, bon. En plus, j'étais bien parti, hein, le coup de... C'est parce que j'ai foncé sur la nid. Oh là, là, bien à... On va tout de suite à droite pour pas se prendre les nitros.
Oh là, là je peux arrêter d'accélérer. Petite accélération quand même, étant donné que... Attention à la caisse ici. Et on continue. Bah, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Là, je joue avec l'accélérateur histoire de pas me prendre des nitros dans la tête. Ah, c'est bon, elle a compté. Voilà, donc normalement, cette fois-ci, si j'ai pas le compte, je bouffe le jeu. Je bouffe la manette. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Allez, on s'en va. Allez, donc on a enfin ce diamant. Hein. C'est sûr que quand on loupe pas des caisses qu'on voit à peine, c'est mieux. Hein. Allez, donc niveau 8, Banzai. Ah, vous allez voir justement. Exceptionnellement, je vais vous laisser le temps de chargement. Vous allez comprendre pourquoi. Exactement comme dans... Attendez. Non, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas d'intervention d'un masque. Hein. Exactement comme dans Crash Bandicoot 3. Voilà. Crash est remplacé par Coco. Donc on va faire le niveau avec Coco. Ça va être la joie. D'ailleurs, c'est bien dans ce niveau-là, vous allez voir. Et oui, on l'a à pied, elle a des coups. Bon, celui-là, il est un peu lent. Ça c'est assez rapide, hein, avec le carré pour ça, c'est l'équivalent de la tornade. Elle peut aplatir aussi, hein. Mais disons que dans Crash 3, elle était cantonnée à des niveaux où elle était à dos d'un tigre ou à bord d'un... D'accord, je viens de tomber à l'eau comme un gros con. Ou dans des niveaux où elle était à bord d'un avion, là elle a vraiment ses niveaux à pied. Je trouve quand même que c'est sympathique. Hein. Moi personnellement, j'aime bien que ça change de personnage de temps en temps. Hein. Bon, tout le monde n'est pas obligé d'apprécier Coco. Bon, c'est clair que je préfère quand même Crash à Coco, c'est sûr. Mais voilà, ici attention parce que là les plateformes là elles vont se rétracter quand je vais mettre le pied dessus. Hop, on y va tranquille. Bon, par contre, attendez que je réfléchisse. Est-ce qu'on peut avoir toutes les caisses dans ce niveau? Je m'en rappelle même plus. Ben, je sais qu'il y a une plateforme qui s'active quand on a ramassé un diamant de couleur. Mais je sais plus s'il y a des caisses à aller y ramasser ou pas. Je sais qu'il y a plein de nitro, mais il doit y avoir des TNT aussi. Mais si elles sont collées, elles seront comptées quand même quand j'utiliserai l'interrupteur pour péter les nitro. Oh, mais allez, tu te fous de ma gueule! Enfin bref, donc je vais quand même essayer de faire gaffe à voir toutes les caisses parce que je ne sais plus. Mais je vous garantis pas qu'on aura le diamant. Hein. Oula, j'ai peut-être été un peu... Et regardez, la caisse vie c'est sympa, elle est à l'effigie de Coco, c'est sympathique. Et même d'ailleurs, regardez, vous voyez la barre d'information, c'est vraiment sympathique. Regardez, au niveau des vies, c'est bien la tête de Coco qui est représentée. Mais je suis mort sans raison, quoi, merde, sérieux. Je veux dire, disons que je fais un peu le comparatif avec Crash Bandicoot 3. Même les niveaux où on jouait avec Coco, c'était toujours... l'icône des vies était toujours à l'effigie de Crash. Et ça, je trouve que c'est sympa. Encore une fois, c'est du détail, hein, mais vraiment, j'apprécie. Là, il y a eu un ninja, là, qui est... bon, alors, ici... En plus, ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas accès à la glissade avec Coco. Hein. Certes, elle a sa propre palette de mouvements, mais elle est assez limitée par rapport à Crash. Allez, on y va. Donc là, attention, ici, il va se passer un truc avec la caméra. Hop, vue de dessus. Mais, bon, ok, on va la refaire. J'essaye, en fait, le truc, c'est que j'essaye de pas crever. Mais toi, tu vas mourir. Hop, dégage. Oula, là vous voyez en haut la caisse sur la nitro, ça va être chaud. Là, je suis encore mort sans raison. Enfin si, il y a quand même une raison. Mais... Oh putain, je reviens là en plus. Mais sérieux. Et je vais mettre 10 ans à finir cette vidéo. Ah mais depuis la dernière fois que j'étais malade, là je me sens mieux. Mais j'ai l'impression que quand je parle... Putain. Oh, tu te fous de ma gueule là.
J'ai l'impression que parfois quand je parle longtemps, ça me fait retousser un peu quand même. C'est pas grave. En plus, ça me fait un peu peur parce que. D'accord, je dis ça parce que je pense au fait que c'est même pas l'hiver quoi. Alors, franchement, qu'est-ce que ça va être hein. Quand on va arriver à janvier-février, ça va être quoi? Hop. Allez, on continue. Putain, mais par contre, les ennemis qui dégagent les pommes contre les tue, c'est chiant ça. Allez, toi, tu vois. Voilà, nickel. Alors là, en plus, surtout qu'on a la caméra comme ça et on a le checkpoint juste à droite, moi j'ai bien envie de le déclencher. Et évidemment, j'arrive à avoir la caisse sans problème. Hein. Et là, petit effet d'ombre chinoise. Bon, c'est pas super bien fait parce qu'on a l'impression que Coco elle devient minuscule, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir pensé à ce détail quoi. Alors attention, voilà. Je savais qu'il y avait le poisson qui essaierait de faire ça. Oh putain! Et voilà, je suis mort! Putain, bah, mais franchement, c'est quoi? Attendez, pourquoi la caisse elle a disparu? Faudra qu'on m'explique. Hein. Bah, je voudrais bien savoir pourquoi la caisse qui est sur la nitro elle a disparu. C'est louche cette affaire. Normalement, quand je reviens à un checkpoint, il. Voilà. Il doit faire réapparaître les caisses que j'avais pas pétées au moment de déclencher le checkpoint. C'est quoi ce bug? Enfin, bref. Là, vous voyez hein, les gribouillages rouges, hein, c'est la plateforme. Donc, c'est le diamant rouge qu'il nous faudra hein, pour avoir cette plateforme. Alors, dans ce niveau, il y a un diamant secondaire hein, et il y a aussi un pouvoir à récupérer. Mais ouais. Allez savoir pourquoi ils ont mis un pouvoir qui traîne dans ce niveau. Alors là attention. Putain voilà d'accord. En fait je me suis pété la nitro et je suis pas mort parce que j'avais un masque. Il faut pas trop traîner sur ces espèces de. Oula là, là ça va être chaud hein. Oh putain. C'est quoi encore ces défauts de perspective? Et je dois tout me retaper, fait chier. Et voilà. J'ai sauté trop tôt, là c'est ma faute. On va finir par y arriver. Hein. Là, j'attends le poisson. Là. Oh ouais, génial, j'ai tué l'ennemi en même temps. Allez, on continue. Enfin, j'essaye de continuer. Hop. On va essayer de pas se faire pas s'exploser sur la nitro, voilà. Alors, je vais bien me remettre dans l'alignement. Là, apparemment, j'y suis. Ok, nickel. Et là, je peux faire ça. Ok, ça a pété les nitros. Heureusement que j'avais gardé le masque. Ok, bon, je ne cherche pas à comprendre. Lui, je sais plus si je peux le tuer. Ouais bon, dans le doute abstiens-toi. Et en plus il y a un checkpoint là. Allez on continue. Donc je vais juste faire attention à ces mecs avec leur gong. Ah bah si je peux les tuer, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah bah tiens le bonus. Attends, je vais quand même attendre que la TNT pète. Allez on y va. Attention ici ça va être chaud là, vous voyez la caisse qui est limite au-dessus de l'eau. Ah ouais. Oh c'est du joli ça. Oh putain par contre ça fait. Oh merde. Bah le problème étant que il y a une caisse en dessous des nitros. Bon tant pis. Merde on peut pas. Oh, je vais mourir exprès. Je sais qu'il attend un coup, mais avec le bonus, je sais pas si ça fonctionne en fait. Allez, on reprend. Alors, j'espère que je vais bien réussir ce que j'ai fait juste avant. Putain, mais c'est quoi cette touche qui marche plus? Putain. Oula.
Et en plus, je sens que je m'énerve beaucoup aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai eu droit à quelques émotions fortes aujourd'hui, hein. Ah non, franchement, le collège c'est sympa, hein, mais... En fait... Voilà, nickel. Mais non! Mais c'est pas vrai! En fait, je vous explique. Le collège où je travaille, donc... On a... Donc, je suis employé principalement pour la maintenance du parc informatique. Et le problème étant que... Merci l'État et ses restrictions budgétaires, hein, parce que... En fait, normalement, le collège doit employer un surveillant. Donc jusque là on est... Merde, je suis encore mort. Jusque là on est d'accord. Et une personne ressource pour la maintenance informatique. Et le problème c'est que les restrictions budgétaires de l'État font qu'ils ne peuvent plus employer ces deux personnes. Donc en fait, moi je suis à la maintenance informatique principalement. Et j'ai une fonction... enfin, je suis aussi... Putain, mais merde! J'atteins même pas la hauteur de la TNT, fais chier! J'ai jamais arrivé à faire ce putain de bonus de merde! C'est hallucinant, ça! Qu'est-ce que je disais, là, encore? Ouais, que le... Bon, tant pis, la TNT, je l'ai déclenché de la merde. Fais chier! Ok, donc là, on est d'accord. Donc là, maintenant, je... Putain, mais elle avance toute seule! Mais c'est quoi cette cruche? Ouh là là là, ça commence à me courir sur le haricot cette histoire. Bon, donc je vais finir par le dire. Donc je suis aussi... On me demande aussi d'assister à la surveillance des élèves. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Et bon. Enfin bref, donc là... Voilà, maintenant je vais déclencher l'interrupteur. Non, 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 non. Merci, je vais éviter les nitros aussi tant qu'à faire. Oh, putain, j'ai eu de la chance. Bon, ça y est, on a fini par y arriver. Alors ça va être chaud. Putain, mais putain. Et disons que c'est un... Non, globalement le collège est assez tranquille, hein. c'est pas un collège de merde, d'emmerdeur, hein, mais disons que il y en a 2-3 qui m'ont donné quelques sensations aujourd'hui, hein. Disons que j'ai dû... Voilà, ça, je vais encore m'exploser sans raison, hein, va t'en comprendre. Et bon, vous savez, entre ceux qui veulent pas respecter le règlement, qui ont... mais il y en a, hein. Il y en a 2-3, c'est... ouais, je respecte pas le règlement, j'en ai rien à foutre de toi, Enfin, bref. En général, on essaye de pas trop s'énerver, hein, ça sert pas à grand-chose, hein, mais il y a des moments où on est obligé, quoi. Non, 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 non! Putain, mais je fais le con! Putain, mais quel fiasco! Ça fait au moins 5 minutes que je suis sur le bonus! J'exagère peut-être un peu, quoique je suis pas si loin de la vérité, hein. Je sais bien que maintenant j'ai plus de limitation, hein, mais c'est pas une raison pour... Je voudrais pas non plus faire une vidéo qui dure 3 heures, quoi. Ah, mais je dis 3 heures parce que hier soir, j'ai même pas regardé entièrement, hein. Mais hier soir, j'ai commencé à regarder le défi du Hooper sur Donkey Kong Country Returns, hein. Mais il y a trop... Putain, mais non! Il y a 3 heures de vidéo, hein. Vous imaginez regarder du Donkey Kong Country Returns, hein, pendant 3 heures. Putain, et dire que j'aimerais bien l'avoir ce jeu en plus. Bah, je me l'achèterai dans pas très longtemps. Mais... Bon, disons que maintenant, grâce à ça, je peux me payer quelques bricoles, mais faut pas non plus que... Faut que j'en garde, quoi, hein, parce que... Entre ce qu'il faut payer, faut payer le... c'est clair que j'ai pas de loyer à payer, hein, puisque j'habite pas... j'ai pas mon propre logement. Mais bon... Disons que il faut quand même payer. J'ai quand même mon portable, mon assurance, l'assurance voiture. D'ailleurs, heureusement que j'ai trouvé une nouvelle assurance qui coûte moins cher, hein, parce que. D'ailleurs, hein, désolé de vous faire de la pub négative, mais la MAF, sérieusement, vous êtes cher. Hein. Non, mais je veux pas dire. Bon, j'ai une voiture. Ma voiture, elle est de 96. Hein, c'est une Renault Clio de 96. Hein. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une horreur, mais bon, ça roule. Hein. Quand je pourrais payer une autre voiture, je le ferais. Hein.
Non, y'a rien en bas, c'est de l'eau. J'ai cru qu'il y avait quelque chose en bas. Non, c'est ça. Ça y est, on a enfin fini le bonus. Donc, voiture 96, j'ai mon permis depuis 2 ans maintenant, hein, donc j'ai 10% de bonus, puisque j'ai pas d'accident responsable. Et disons que chez la MAF, ça coûtait la cotisation annuelle de. C'était pas loin de 800 euros, quoi. Enfin, c'était 800 euros à 5% de bonus. Puisque là. Enfin, bref. Et je me suis renseigné comme quoi faut se renseigner. Hein, je suis allé. Donc, je précise que la formule c'était une formule au tiers, hein, une assurance au tiers de base, quoi. Et juste, limite, juste le droit de. J'avais rien, j'avais. Il y a même pas d'assistance. Genre, si je suis en panne, l'assistance elle démarre à 50 km, je crois. Là, c'est limite abusif, quoi. Et j'ai même plus ce que j'allais dire. Enfin bref, donc ça faisait sur 10 mois. Donc sur 10 mois, 78 euros et des brouettes à payer. Hein, donc 10 mensualités de 78 euros et des brouettes. Et donc je me suis renseigné à ma banque, chez LCL. Hein, je m'en cache pas, hein, ma banque c'est LCL, je le dis. Il y a une caisse en dessous, non? Là je vois qu'il y a la fin. Là. Oh putain! Là et j'ai une assurance et je vais avoir une formule qui sera toujours basée au tiers, hein, sur une voiture aussi vieille. Ouais, j'ai toutes les caisses, génial. Disons que sur toutes les caisses. Oula, mais qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi, sérieux. Sur toutes les oh, qu'est-ce que je disais? Enfin bref, donc chez Docteur Nouvelle Assurance, chez SA, ils proposent l'assurance. Donc j'ai le tiers, mais ça, en fait, c'est une formule qui s'appelle le tiers plus. Donc j'ai même le bris de glace sans franchise, hein, franchement. L'assistance à 0 km et tout. Et vous savez combien ça me coûte? À 10% de bonus, ça va me coûter 500 et des brouettes à l'année. Soit, sauf que eux, c'est sur 12 mensualités de 42 euros et quelques. Ah, franchement, non mais franchement, de toute façon, vous voulez que je vous dise, même si j'avais pris le tout risque, ça me coûtait moins cher que le tiers de la MAF. Non mais vous foutez de ma gueule, hein. Ah, franchement, je sais bien qu'on a tendance à s'acharner sur. Non. Putain, et arrêtez, je suis à 3 km de l'écran. Oh. Je vous jure, n'importe quoi. Enfin voilà quoi, dans l'histoire ça me coûte beaucoup moins cher, mais bon, que j'en reviens, j'ai envie de finir là-dessus quand même. Hein. Donc il y a ça à payer quand même. Hein. Et puis bon, certes j'ai pas de loyer à payer, mais bon, chez moi on me demande quand même une petite contribution, quoi, vu que. Bah, en même temps le problème c'est que je suis le seul chez moi à travailler, quoi. Enfin voilà. Donc au final, je veux dire, c'est un mi-temps, donc je gagne un peu plus de 500 euros par mois. Je peux pas non plus me permettre de faire des dépenses de fou. Enfin voilà, surtout que là, je prévois de renouveler mon matos, hein, parce que franchement, j'ai vraiment plein de soucis avec avec le montage des vidéos. Non mais franchement, la partie d'avant, vous savez combien de temps il m'a fallu pour la générer? Je parle seulement de la génération, hein, donc quand le montage est fini, que j'ai cliqué sur reproduire la vidéo, hein, ça a mis bientôt 2 heures. Et c'est pas de la haute définition, c'est du 640x480. Et puis de toute façon j'ai quelques petits problèmes techniques. Franchement des fois l'ordinateur, je vous explique quand même, l'ordinateur je l'allume, hein, et il faut que je fasse un reset au moins 3 ou 4 fois pour que Windows décide à se lancer, hein. C'est un truc de fou, quoi. Enfin bref, donc voilà, j'ai fini avec cette histoire là. Donc allez, je vais vous laisser ici. Je vous dis ciao et à la prochaine. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what I'm counting.